Salut à tous les amis, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Alors un peu tournée en improvisation parce que j'avais pas prévu de la tourner, mais il y a des gens qui m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour mettre, admettons, là comme vous voyez, les médicaments dans la gueule de votre chien. Alors le truc c'est de trouver un subterfuge, c'est-à-dire admettons un bout de fromage, un bout de jambon, ce que vous voulez, ou soit vous lui glissez là au fond de la gueule, mais vraiment sur le côté pour pas qu'il ne puisse s'étouffer, et faites attention qu'il ne le régurgite pas, et vous avez juste à tenir sa tête en l'air pour que vraiment que ça tombe, parce que sinon il va repousser comme ceci avec sa langue, comme les enfants quand ils, admettons, ils avalent de travers ou quoi que ce soit, ou qu'ils ne veulent pas manger ce qu'on leur a préparé. Et ben dites-vous que le chien c'est pareil. Donc le truc c'est que on veut lui donner son médicament pour qu'il aille mieux, c'est ce qu'on veut. Et regardez, c'est tout au fond de sa gueule que vous pourrez glisser ce médicament. Après, les subterfuges, normalement ça va tout seul, mais vraiment prenez quelque chose qui est appétant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forte odeur du fromage, du poulet, des morceaux vraiment qui sont très appétants, qui ont une forte odeur. Les friandises, dites-vous, qui saura faire la différence entre une friandise et un médicament. Donc, ne les glissez pas entre eux. Essayez vraiment de glisser le bout dans le bout de fromage. Vous voyez? Bon, Jump, il s'est retourné. Hein? Monsieur ne veut pas faire la vidéo. Jump, tu viens pas dire bonjour aux abonnés? Eh ben non. Regardez, il s'est couché. Dos, il veut pas. Donc voilà. Sur ce, moi et Jump, nous vous souhaitons une agréable journée. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On compte sur vous. C'était Apprenti Dog. Alors, je vous fais voir très rapidement comment j'ai fait. Vous glissez vos doigts sur le côté de la gueule de votre chien. Vous maintenez délicatement, pas besoin de forcer comme un bourrin. Vous glissez vos doigts et là, vous ouvrez, vous maintenez la mâchoire inférieure avec votre autre main et vous penchez la tête en arrière tout doucement. Voilà, c'est aussi simple que ça.